Bonsoir. Bon, petite soirée à la cool, petite soirée rétro à la cool. Je savais pas du tout quoi faire ce soir. À la base, on voulait faire du Trek to Yumi, sauf qu'il s'avère que le jeu est pas très très long et que le prochain live du solo, excusez-moi, serait lundi. Ça m'emmerde d'avoir autant d'écart sur un truc qui potentiellement durerait que deux lives. Donc bon, on va plutôt se conserver Trek to Yumi pour un live solo d'après-midi. Comme ça, on le ferait d'une traite. Donc, on va se faire tranquillou bilou une petite soirée rétro sur le grand classique de Nintendo. Ta-da-ta-ta. Voilà, cette musique, mes aïeux. Cette musique, ça nous rappelle des souvenirs, ça. Ah, ça ne vous rajeunit pas! Attendez, parce que ça gueule, est-ce qu'on peut. Je sais pas du coup si, niveau du jeu, bon, ça gueule ou pas. Alors! Oh la vache! Ah oui, quand même! Ah oui, c'est flottant. Hein. Donc, on est sur l'émulateur NES de la Switch. Hein. On va voir ce que ça rend. Cette animation, c'est du génie. C'est du génie. Alors pour courir, donc c'est comme ça, faut maintenir appuyé le bouton. Le saut, grand classique. Hop. Ok. Normalement, on peut rentrer dans ce tuyau. Yes. Doudou doudou doudou. Doudou doudou doudou. Doudou doudou doudou. Doudou 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 doudou. Les musiques. Ah, on peut pas les péter les blocs du haut. Les musiques. Est-ce qu'on se fait les warzones, les warp zones? Ou est-ce qu'on. Parce que je pense pas qu'on le termine. Allez, on le terminera pas ce soir. Hein. On va se faire une soirée chill ce soir. On se fera peut-être une après-midi un jour, Mario. En faisant d'une traite. Mais en sachant que de son, ça, je le ferai pour. Super Mario Bros. 3, que j'ai vraiment envie de refaire, qui est un de mes Mario 2D préférés. Et mon préféré, qui est du coup World. Mario World. Hop, la petite fleur. Et lui, par contre, ouais. Lui, je le referai d'une traite, lui, c'est clair et net. J'ai très envie de me le refaire. Super Mario World. Je prends les pieds-pièces. Mes tunas à moi. Ah, yes. Bah, je vais m'emmerder à passer en dessous. Bah non, on s'en fout en fait. Hop. Ah! Je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, comme un bleu, je me suis fait avoir. Ah merde, bah du coup. On va pas pouvoir aller chercher la warp. Ah si. Passons par là. Ah yes. Hop. Yes, la warp zone. Et nous voilà rendus au monde 4. Ah, avec le. Ah, le champ pépé! Eh merde! Avec la première apparition de l'Akitu A qui était bloqué à 3. À 3 pic-pic, tiens, d'accord. Merde. Ah ouais, il était bloqué à 3. Ouais, pas en. Ah l'enfoiré, je l'ai pas tué. Ouais, pas en mettre plus que 3 sur l'écran. Ah, c'est bon, il va de l'autre côté. J'ai eu chaud. Hein. Oh, j'ai eu chaud à mon cul. Ah, mais donc qu'il est pas si évident que ça ce compte-jeu là.
Alors. Surtout qu'on a que 3 vies, hein. N'oublions pas ça. Nous n'avons que 3 vies pour en venir à bout. Normalement, je gagne bientôt une vie, vu que j'ai 88 pièces. Condition de ne pas crever comme un con. Et là, du coup, on va pouvoir choper la warp pour aller au cinquième monde, si je dis pas de conneries. Ah, parfait, la fleur. Voilà, le tout, c'est de pas mourir. Yes. Yes, donne-moi des points. Parce qu'on pouvait aussi gagner... Hop. Des vies grâce aux points. C'est bien ça, il y a une autre warp ici. Level 5. Parfait. Est-ce qu'on serait pas en train de faire un espèce de speedrun? Hop, hop, hop. Alors. Putain, j'étais mal orienté. C'est ce genre de pièges qui peuvent être fatales. Oh! Yes! Oh. Attention de ne pas crever non plus. Y'a rien là? Ah bah si. Ah! Ah yes, on a gagné une vie. Mais que dalle. Yes! Nous avons regagné une vie. Et ça, c'est bon. Ah, oh, foiré! Oh! Pff. La vache! Ah, merde! La hitbox était avec moi sur ce coup-là. La hitbox était de mon côté, bon. Il me semble qu'on arrive au niveau où il y a les frères marteaux, là. Ah, j'ai un petit chat qui veut sortir du bureau. Attendez. Oui. Voilà. Bien. Reprenons. Moi, je chope les pièces. Alors, foiré. Yes! Oh merde, c'est lourd. Yes. Les poulpes! Non! Les poulpes d'enfoiré. Les enfoirés de poulpes et les enfoirés de poissons. Parfait. Et leur physique des enfers là. Leur IA infernale. Oh. Ah. Quelle bande d'enfoirés. Oh la vache. Ah. Yes. Est-ce qu'à 100 000 points, on gagnerait pas une vie? Je vous avouerai que ça me ferait bien du plaisir si c'était le cas. Ah!
que c'est. Une fleur. Ah. Oh. Ah non, j'ai pas gagné de vie. Ah. Bon, fin du niveau. J'ai atteint les 100 000, mais j'ai pas gagné de vie. Il faut donc croire que non. Oh putain, le timer va tellement vite dans les donjons. Ah, j'avais oublié ce détail. Ah, ah merde. Oh l'enfoiré. Putain, il est là. Hein. Il est là. C'est bon. Oh putain, mais quel talent. Monde 6. Bon, nous enflammons pas parce que ça va commencer à se corser quand même. Y'a que dalle. Oh. Ah. Pas grave. C'est vrai que quand on a été touché, la qui tue fait juste office. La fleur fait juste office de champignon. Mais bon, c'est toujours mieux que d'être petit. Ouais. Oh. Ah. Trop. Ah, laisse-moi monter. Ah merde. Tant pis. Yes. Oh. Oh merde. Meurs. Ah. Il me manque une pièce. J'ai loupé en plus là sur la route. Elle était juste là un peu plus loin quoi. Ah merde. Ah. S'il vous plaît. Un truc de pièce là. Oh. Les enfoirés, hein. Oh. Ah oui. Parfait. Ah. Ah. Bon, tant pis. J'arriverai pas. Oh non. Comment j'ai pu louper ça? Cinq vies.
Ah oui, on arrive au moment où c'est. C'est tout argenté. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi ces couleurs-là? Faut pas paniquer. Yes. Y a combien de monde? 7 ou 8, je sais plus. Ah! Pas grave, on va rester grand. Allez. Ah! Ce saut est tellement timé au. Ah! Ah, ces sauts, ils sont tellement timés au millimètre! Oh, bah. Qu'est-ce que je fais? En fait, le faire à la... Ouais, à la royale. Non, viens ici. Chopin! Le faire à la royale... À la royale. À la loyale. Sans... sans les warp zones, ça permet d'accumuler des vies. C'est ça le truc. Ça permet de faire une petite accumulation... Putain. Une accumulation de vie, et comme ça, quand t'arrives ici, bah voilà. T'en as plein. Alors que là... Ben on en a plus qu'une. On va déjà avoir un beau game over. Voilà, on est grand. Mais allez! Oh! Oh, la musique tellement stressante. Des châteaux de Bowser. Bowser. Ah! Il est là. C'est bon, on va la voir. On va la voir, on s'en fout. Hop! On s'en fout de prendre le dégât. Sept. Combien de monde, je ne sais plus, moi. Oh. Ah non! Ah! Putain! Elle va ressortir vite! Ils auraient pu filer un champignon, ces enfoirés, quand même. Ah! Ah! Oh! Non! Qu'est-ce que j'ai branlé! Ouais! Eh ben c'est pas si évident que ça. Et laissez-moi vous le dire, c'est pas si évident que ça. Allez. On va se retenter. On se tente ça à la loyale, c'est ça maintenant la grande question. Ah mais c'est long en plus, c'est... on n'aura jamais le temps de son. Oh! Il a failli se faire avoir par un Goomba à la con quand même, là, à l'instant. Hop! Oh! Y'a quoi là-dedans? Y'a du point!
S'en fout, le premier niveau, on se le fait normalement. Ah, c'est là qu'on sort. On prend le tuyau. Ici même. Mario glisse de ouf quand même. On va pas se prendre les warps. Faire le jeu normal. Oh! On est sous terre, mais il y a encore un tuyau, donc. J'avais oublié. Ah, pu me faire avoir. Comme quoi, faut. Faire attention quand même. On peut rapidement se faire avoir. Bien. L'opération No Warp Zone, hein. Rappelons-le. Et merde, j'ai loupé une pièce. On va essayer de se faire des pièces. Ah non! Aïe 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 aïe. Histoire de se faire un peu de vie. Avoir une bonne réserve. Que quand on arrive ensuite vers les... Les niveaux bien hardcore. Hop. On s'en sorte un peu mieux. Là déjà j'arrive dans un château en étant petit, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Après c'est le premier, donc ça va, ça devra le faire. Hop. Il a la même structure que celui qu'on a fait juste avant là. Dans le monde 6. Sauf qu'il y a des langues de flammes en moins. Hop! Et bah voilà. Oh! J'ai transpercé les blocs, carrément. Plein de thunes. Ah oui, plein de thunes. Encore une fleur, allez hop. Ah oui. Yes. On a gagné une vie. Oh putain. L'abruti. Ah, ça c'était le piège fourbe dans lequel on pouvait tomber à chaque fois avec les coupas. Bon,
leur pète leurs ailes et eux, paf, direct après ils se tournent vers toi. Ces petits enfoirés. Non ! Mon champignon ! Mon champignon ! Allez, est-ce que là, le Goomba ? Hop, et voilà. Oh merde, l'enfoiré ! Ah, normalement, il sort de l'écran. Ah yeah, je suis arrivé au bout. Sur le sommet, dans les Mario récents, ça rapporterait une vie, ça. Hein. Quelle bande de crevards c'était. Oh non. Ah, les niveaux aquatiques. Je pense que c'est à cause de Mario. En partie à cause de Mario, du premier Mario, que nombreux sont les joueurs comme moi à être traumatisés maintenant par les niveaux aquatiques. Hein. Bande d'enfoirés, vous êtes vraiment des enfoirés. Oh les gars. Vous êtes des gros aux enfoirés. Arrêtez avec vos niveaux aquatiques. Hop. Voilà. Ah merde. Ah oui, la totale. Allez hop. Oh merde! Et bon, j'avais oublié ça. Ça. C'est l'enfer sur Terre, ce niveau-là aussi. Le niveau avec les poissons qui sautent, là. Oh! Au secours! Oh! Les enfoirés! Non! Ah, le combo, ouais. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire sans les warp zones finalement? Ah! Oh la vache! Oh, je suis pas certain! Ça soit l'idée du siècle finalement! C'est bon, on s'en est sorti! Non, finalement, c'est des niveaux rigolos. Mais bon, on a combien de vies, là? 2? Ah oui, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah. Oula. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pouvoir se la voir avec les... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai sauté? J'ai paniqué. On aura pu se la voir avec les boules de feu. Et j'ai succombé à la panique. Bon, récupérer une vie pourrait être sympathique, là. Allez, toi tu te barres. Toi tu t'en vas tout court. Voilà. Récupérer une vie, ouais, pourrait être cool. Ah. Ah oui.
Oui, très agréable. Voilà. Ah, 99 quoi. La blague. Donnez-moi une vie, s'il vous plaît. Oh, quelle espèce d'enfoiré. Yes. Ah oui. Parfait. Ah non. Ah non, juste après avoir récupéré une vie. Mais bordel. Oh non, juste devant ces deux connards là. Ah non, barrez-vous. Hein. Parfait. Oh. Tout ça pour un saut raté, quoi. Oh non! Ouf. Oh. Eh bah putain. Yes. On a perdu la vie qu'on a récupérée. On est... Ah, on n'est pas bon. On n'est pas très bon. Deux vies. Au monde 3, deux vies. Pas possible. On devrait en avoir beaucoup plus. Oh non, hein. Yes. Non, ce fail. Ce fail incroyable. Oh, oh. Putain. On est à deux doigts de se faire dessus quand même très souvent. Yes. Oh, le mec a confondu le bouton de saut et le bouton de course. À deux doigts de la catastrophe quand même. Laisse-moi aller choper les pièces en bas, s'il te plaît, merci. Ah ah, je pensais que je traversais. Je pensais que je traversais la plateforme. Oh non. Oh non, une vie. Oh non, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Oh non. On va crever comme des gros cons. On est nul. On est vraiment trop nul à ce jeu. Vraiment, vraiment trop nul. On était meilleur quand on était jeune, parce qu'on est vraiment trop nul. Ah! Oh, ça c'était beau! Bon, bah on arrive au château 3 avec une vie, lol. Est-ce qu'on peut dire qu'on est mauvais? Je pense qu'on peut le dire. Le bout de feu qui revient pas, super. Petite... voilà, merci. On est vraiment mauvais. Vraiment très... très très mauvais. On est totalement nul. Et il est... On est mauvais, mais par moments on a des... On a des impulsions comme ça qui surgissent, je sais pas pourquoi.
Tout d'un coup, on devient bon. Mais c'est bien trop rare, malheureusement. Malheureusement, c'est bien trop rare. C'est vrai que ça nous arrive tout le temps, et... Ah, et merde. Six minutes de live, ça fait court quand même. Allez, on va se le retenter une fois. Et ben c'est pas évident quand même, hein. C'est pas évident, mais fort est de constater que c'est un jeu qui n'a pas tellement vieilli. Il était où le... Là, c'est pour des pièces, c'est pas pour de la warp. Fort est de constater que le gameplay est toujours aussi bon. Hein. C'est certes un peu glissant, mais c'est loin d'être mauvais. Le nombre d'heures que j'ai pu passer sur... Sur ce jeu étant gamin. Ah oui, il est en même temps, ouais. Parce que ça, c'est pas beau. Ah, ça l'est moins, par contre. Ouais, j'en ai passé, hein. Des heures sur Maness. En étant minot. Ah mais tu vas sauter, oui. Espèce de con. Et du coup on a vu tout à l'heure qu'il y en avait un autre là. Pour des piécettes. Mes piécettes à moi. Ah mais oui, ça rapporte des points de péter ça. Ah. Oh non. Il y avait des pièces. Ah zut. On a loupé les piécettes. Les piécettes. Ah. Les bonnes petites piécettes, hop. Y'en a pas là? Non. Ok. Le tout, c'est de pas perdre de vie. C'est de ne pas perdre de vie au moment où on chope la quatrième, quoi. C'est-à-dire pas comme tout à l'heure. N'est-ce pas? Mon zob. Ah, putain! Refaire les mêmes erreurs. Hein. On a loupé une pièce, c'est pas trop grave. Par contre, là... Toutes celles-là! Hop. Voilà, on est petit, on arrive au château. Comme tout à l'heure. C'est le même schéma qui se répète. Incroyable. Incroyable d'être nul comme ça. Ok. Oh non, putain. Oh, j'arrive petit, oh non! C'est bon. Le tout, c'était de pas paniquer, et c'est ce que j'ai fait. Monde 2.
Allez. Voilà. Oh, mais le même bug que tout à l'heure. Yes, on a gagné la vie. Oh! Je me disais bien qu'il y avait des haricots dans celui-là aussi. Je me disais bien que c'était pas que dans... On a loupé une pièce, super. Bien, ouais, que dès le premier, ils avaient foutu les haricots. Ouais, compliqué d'avoir les trois, là. Ah bah voilà. Hop. Donc effectivement, dès le premier Mario, il y a les petits haricots. Ok. Ah, la flotte, super. Bon, au moins on a la plante. Voilà, qui va nous permettre de faire ça. Ça va nous permettre de nous protéger un peu mieux des calamars. Les calamars, on en a vraiment marre. Les calamars, tada. Les salopards de calamars, ils nous emmerdent. Ah, les calamars. Voilà. Les poissons sont... Ah, moins chiants. Alors attention, il me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Ils sont quand même. Ils sont moins relous que les calamars. Allez! Allez! Voilà. Bien, en plus, on a 75 pièces. Donc on approche de la vie supplémentaire qui sera la cinquième, je crois. Cette run là est quand même mieux que la précédente. Ah, bon, au moins on arrive ici en étant fleur, ce qui est tout de même mieux que tout à l'heure. Ah oui. Ah! Et merde. Pas grave. Enfin, si c'est grave, parce qu'on va... On arrive à un château petit. Encore. Incroyable, ça. Mais on a 5 vies. Le deuxième château. 5 vies. J'aurais pu crever direct, ça aurait fait une belle entrée en matière. Ah, j'étais passé par où tout à l'heure? Par là-haut. Oh putain, mais quel con! Mais c'est incroyable, ça! Comment je peux faire des conneries comme ça, quoi? Complètement fou, ça! Ah, oh, l'enfoiré! Eh oui. Putain. Voilà, super. A perdu une vie. Faudrait que j'arrive vers lui en étant grand, quoi. En fait, je sais pas s'il y a un sens. Parce qu'il me semble que dans certains... Il y a un chemin particulier.
Je sais pas si c'est le cas dans celui-là. Ouf. Allez, on y va! Alors, on s'en fout. Bon, 4 vies. Ce qui n'est pas folichon. Ah oui, champignon. Merci. Toi, tu dégages. Est-ce que tu m'emmerdes? Ah ouais, en plus on va avoir une fleur là. Eh oui! Oh non! Putain! Je ne voulais point faire ça! Yes! Ah, il n'y a pas de... Ah, putain, la même erreur que tout à l'heure. Faut pas que je fasse ça, il faut vraiment que... Yes. Et quoi là-dedans? Parfait. Voilà, il faut que je m'oriente une fois qu'on est au sommet du saut. Oh, qu'est-ce que je fais? Bon bah tant pis, hein. On aurait pu avoir une... Quoi? On aurait pu avoir une fleur, bah c'est pas grave. Pas un secret? Ah non. Je sais pas s'il y a des blocs invisibles déjà dans le premier. Dans le premier Mario, ou si ça apparaît après. Je ne sais point, je ne sais point. C'est un niveau que le lac tue ça, non? Ah non. Oh! On trace la route, mais pas trop vite, hein. Parce que ces enfoirés-là, on les connaît. Je place les troupes de manière stratégique pour que tu t'empiètes dedans direct. Quand t'as l'étoile, bah il était court ce niveau. Doudoudoudou. Alors. Ok. Oh là. Ah. Mais ça va pas. Ah. Yes, on arrive au château, non pas petit cette fois, mais avec une étoile. Et ça, c'est bon. Bon. Attends, le tout, c'est de pas crever. Ah 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 ah. Nous approchons. Oh là. Le Ville Bowser. Il est là. Oh oui, on l'a eu.
On l'a eu avec la fleur, parfait. Bien, monde 4 terminé, 70 pièces, donc bientôt une vie. Effectivement, la run précédente, c'était plus compliqué quand même. Ah non, pas compliqué, mais... Va le tuer, lui, ce con-là. Ah ! Zob ! M'emmerde, là, qui tue, hein. Il m'emmerde ! Il m'emmerde ! Ah, mais ça tue pas les là qui tue, quand on... Les fleurs les tuent. Parfait. Mais... Je peux pas passer en dessous, hein. Ah si ! Oh oui ! Parfait, on a une vie. Non, ok. Shooter dans un bloc où il y a une boule piquante de la qui tue ne la tue pas. Juste ça la repousse, d'accord. Il y a des pièces là-dedans. Là. Yes. Bien. Quatre vies. Aquatique ou grotte? Grotte. Hein? Ah, c'est dans cette grotte-là qu'il y a la warp. Pour aller au monde... au monde 5, du coup. Il semble bien que c'est ça. La warp du monde 5. On va pas le faire, hein. On a dit qu'on le... Cette fois-ci, on tente de se le faire à la réglo. Là, y'a rien. Ah. Ah. Ah, mais attends. Comment qu'on peut y aller là? Comme ça? Oh oui. Oh non! Ah mais non, mais quel con! Mais c'est pas vrai! Le personnage glisse tellement! Voilà, des petites pièces. C'est pour moi. Oh non! Sur le tuyau de la fin. Putain. Ça scelle. Il y a du sel, il y a du sel. Du bon gros sel. Du bon gros sel. Oh oui, du sel. Ouf, ouf. Bon, comme ça. Voilà. C'est vraiment perdre une vie pour rien, quoi. Du coup, je repasse à 3 vies. Oh. Alors que j'étais pas loin de des 5 vies, quoi, c'est relou. C'est relou. On est mauvais. Ah ! Je jouais mieux quand j'avais 5 ans. C'est quand même incroyable.
On fait de la zik. Oh là, c'est trop haut maintenant, ça, là. Oh merde. C'est trop haut. La panique, ça fait très 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 peur. Ah, ah merde. Une pièce. Ah, une putain de pièce. Oh. Nouveau château. Permet de faire plein de musique. La zik de Mario là. Ah, est-ce que ce serait pas celui-là? Ou genre il y a un sens précis. Waouh! Ah oui, c'est bien ça. Il y a un sens précis, il faut que je passe par où du coup? Par le haut? Ah non. Donc par le bas? Mais sérieux? Ah oui. C'était marrant ça. Il y avait un sens précis, donc. Bon, il est où cet enfoiré, là? Il revient, là? Ah. Il n'y a pas une seule pièce dans ce putain de... dans ce putain de château. C'est incroyable. Ils auraient pu nous filer la piécette. Bah, dis donc, mais c'est qu'on se débrouille pas trop mal, là. Monde 5. On a combien? On a 3 vies. Les seules vies qu'on a perdues depuis le début, là, bah, c'est des vies qu'on a gagnées avec des pièces, à la sueur de notre front. Oh, yes. Alors yes, mais faut pas s'enflammer le zboob. C'est quand on s'enflamme qu'on crève. Ah, yes! Des vies, donnez-moi les vies. Oh, mais on peut pas passer par là, là? Genre comme ça. Oh là 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 là, mais quel talent! Plutôt que de me faire chier à tout démonter, là, à chaque fois. Oula. Voilà. Parfait. Par contre, c'est marrant, j'étais persuadé qu'on gagnait une vie via les points. À un moment. Pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a jamais gagné assez de points? Pour l'instant. Ou est-ce que j'ai juste rêvé? Et ça n'a jamais été le cas. Ah, il y a un... Il y avait un frère marteau. Oh merde. Les fonds marins, ça nous fait chier. Les fonds marins, avec les poulpes de merde. Les ennemis à la con, vraiment très 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 chiant. Les poulpes de merde. Yes! Un mode speedrun! Oh la vache! Yes! C'était beau. Laisse-moi rentrer dans le niveau, s'il te plaît, on commence à me bombarder la gueule. Il va vite, lui.
Oh, les Goombas. Les Goombas. C'est vraiment des connards. Les Goombas. Oh, 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 oh. Ah. Totalement à chier! Qu'est-ce qui se passe? Mais. À deux doigts de recrever comme un con là, à l'instant quand même. Putain! C'est pourtant pas si compliqué ce saut là, là! Attends, parce que là je suis petit. Non! Oh non! Non, il nous reste qu'une vie! On a tout perdu! On a tout perdu! Non! Bon, bah c'était bien! Ah putain! Une heure de live. On va se refaire un run, mais cette fois-ci avec les Warp Zones. Putain. Tout perdu sur un niveau, quoi. C'est ouf. Ah! Oh là, ça y est, je joue mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, c'est là. Je joue mal, j'ai les mains moites, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mais non! Je suis tombé pile poil au milieu. Ah bah. Ouais, la totale. La totale, là. Il faut vraiment faire les Warp Zones, là. Allez, on va aller jusqu'au au monde 4. Et là, c'est plus possible. N'empêche qu'il était con, ce... Il était con. Il était dur, ce con de jeu. Il était con, ce dur de jeu. Non, c'est pas trop ça. Non mais c'était pas évident hein. Moi-même gamin j'ai pas souvenir de l'avoir fini hein. J'ai fini une fois en étant adulte. Oh bah qu'est-ce que c'est ça? Un champignon vie? T'es sérieux qu'il y avait déjà des champignons de vie? Dans le premier Mario, ah ouais. Allez, Warp Zone. Ah mais y'avait pas un truc si on continuait d'ailleurs? Ah je me souviens plus. Faudra qu'on réessaye une prochaine fois, tiens. Alors. Ah oui, le monde de la qui pue, là. Le monde de l'enfoiré. Elle est où, là? Ah d'accord. Mais je croyais qu'il y avait une... Ah non, elle est là, la fleur. Ah non. Où est la fleur? Où est la fleur? Alors, est-ce qu'on va réussir une nouvelle fois? Ah! Ah merde! Yes. Bon, on va aller récupérer les pièces. Yes.
Voilà qui nous fait bien du plaisir. Bon, bah on va aller... C'est la warp là normalement. Ouais. La warp monde 5. Oh. Ça glisse, ça glisse. Ce putain de jeu glisse. Voilà. Elle a fait voir là? Ah non. Y a rien d'autre. Welcome to Warp Zone. Ah, go. Voilà. Ah, le con. Super, en plus y'a rien dedans. Tout va bien. Non mais vraiment tout va bien. Mais saute! Tellement fourbe ce niveau là. Il te file une étoile mais c'est tellement fourbe. Ok. Voilà, c'est mieux cette technique là en fait. Enfin, je m'emmerde depuis tout à l'heure là. Essayer de tout péter. Complètement con. Il nous reste 2 vies, hein. Un en 3. J'ai rien dit. Ouf. Oh oui! Je te l'ai passé, mais comme un chef. Et merde. Non! Non! Oh le piège. Oh la sournoiserie du piège. Oh! Alors, la flotte, tu vas te faire foutre. Voilà, je préfère encore me taper les Lakitu. Oh, les Lakitu, les frères marteaux. Ouais, bah c'est pas grave. Oh là! Il va nous suivre jusqu'à la fin du... Ah! Du niveau, ce Bilbo, là? Ah. Ben finalement ça me fait bien plaisir de rejouer à ce Mario. Hop. Oh la vache. La hitbox était avec moi. Hein. La hitbox était mon allié sur ce coup-là. Allez, le champipi. Merci bien.
Ah merde! Super, on arrive au château en étant petit encore. Oh. On a quand même globalement pas de chance. Oh non! Putain, c'est un grand truc. La tige est énorme! Non! J'ai loupé le champignon! Ah bah pff. Je me suis fait cramer le pied! Oh bah voilà! Bon! Bah du coup, ça va signer la fin du live. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Non mais c'était bien sympa. Ah non, je tendais. Je voulais revérifier un truc. Du coup. Il faut qu'on aille jusqu'à la première warp zone pour ça. Il faut qu'on aille jusqu'à la première warp zone. Donc on va se manier. Ta-ta-da. Pas pourquoi je me casse le cul à prendre les pièces alors qu'on va seulement à la première warp zone pour vérifier un truc. Je veux vérifier si ça continue après, après la warp zone en fait, après le passage 1, 2, 3, 2, 3, 4, où on choisit le tuyau. Il me semblait qu'en fait il y avait. Je pouvais aller au 5 direct en fait. On va vite être fixé. On va vite être fixé. Prends ça au cas où. Oh ah. Ouais. Il va falloir que j'aille au-dessus avec ça. Pas cela, avec cela. Voilà. Alors. Ah non. Non, non, d'accord. Effectivement, ça. Non. Très bien. Réinitialiser le jeu. Hop, voilà. Bon. Et eh ben voilà, bah, c'était une petite soirée rétro comme ça, vite fait, pour le plaisir. Sur Super Mario Bros, ça m'a fait plaisir de rejouer à Mario Bros au tout premier, parce que ça fait mine de rien un petit moment. Je ne l'avais point touché, mais voilà, c'était la petite soirée détente. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Des soirées rétro, voire des après-midi rétro. Parce que sur la Switch, là, il y en a que j'ai vraiment envie de refaire. Notamment le Super Mario Bros 3, que j'ai vraiment envie de refaire. Mais l'un de mes Mario 2D préférés, comme dit en début de live. Le 2 aussi, pourquoi pas. Super Mario Bros 2. Mais surtout, voilà, c'est là que ça nous intéresse. Hop. Au niveau de la Super NES. Voilà. Super Mario World et Super Mario World 2, donc Yoshi Island. Ces deux-là, là, ouais, j'ai vraiment envie de me les refaire. Donc ça sera des après-midi dédiés. Hein. Une après-midi Super Mario World d'une traite, et le 2, un autre jour, ça va être... c'est d'office. C'est d'office. C'est pareil pour les Donkey Kong Country. Hein. C'est des jeux que j'ai envie de refaire, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Ça va être obligé. Oui, bah, quoi, qu'est-ce que tu me dis? La console déconne. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Switch, ça déconne. On commence à être habitué. Ben voilà. Il va falloir qu'on se penche là-dessus. Et foutre un peu plus de rétro sur cette chaîne. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais moi, ça me fait vibrer mon petit cœur. voilà.
Du coup, bah merci d'avoir été là, d'avoir assisté à cette piètre prestation. C'est le rétro Call of, c'est mieux. Non, c'est nul, le rétro Call of, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu que tu étais là en sous-marin à plusieurs moments du live. C'était marrant. Il est con celui-là. Et ben le but c'est que tu te sois marré si tu t'es marré à me voir crever de manière con par moment, moi ça me fait plaisir. Voilà. Et j'ai vu que t'étais en sous-marin pendant que tu devais jouer à Apex sans doute. Oui, je suis là depuis un moment, mais bon, les top 1 n'attendent pas. Exactement. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir suivi ce petit live, plus court que d'habitude, mais bon. En même temps, le premier Mario, hein, tu vas pas y jouer 10 heures d'affilée, quoi. Enfin, pas moi. Autant le 3, oui, d'accord. Le 2, même, à la limite, mais le premier, c'est compliqué quand même. Mais voilà. Merci d'avoir été là. Demain, vous retrouvez Florian, du coup, sur du GeoGuessr. Et samedi, vous nous retrouvez tous les deux sur du Divinity. Divinity 2, c'est samedi avec Florian et moi. Et demain, Florian sur GeoGuessr. Voilà. La bonne fin de soirée. À la prochaine. Salut. Salut.